Allez, si j'arrive à faire un bon décollage pour l'intro, ça serait parfait. Allez, s'il vous plaît, pour une fois, que je gère, c'est bon. Je gère, je gère, je gère. Allez, on va monter un petit peu. Je. C'est quoi? Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Un jour, j'arriverai à contrôler ces fameux avions dans Roblox. Salut tout le monde, c'est Redkill, on se retrouve aujourd'hui pour ce Tycoon-là qu'on avait commencé à développer dans une autre vidéo. Nous avions une petite île déserte comme ça, maintenant qui n'est plus du tout déserte, je dois vous l'avouer. Regardez, ici, nous avons un aéroport. Ici, il y a un abonné qui m'a rejoint, bah, c'est cool. Et oh, j'avais oublié d'étendre mon île ici aussi. On avait développé un hôtel ici, ainsi qu'un parc, et là, la cabane du pêcheur, tout ce qu'il faut pour de la pêche. Bref, dans la précédente vidéo, on n'avait pas fini le Tycoon, et donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons faire. Donc c'est parti, si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, n'hésitez pas à aller la voir, moi je continue. Donc on étend l'île, et maintenant, ok, on a gagné une petite plaine comme ça sur le côté, je sais pas encore ce qu'on va pouvoir y faire, on y reviendra tout à l'heure. Moi, ce que je voulais faire absolument aujourd'hui, alors déjà, vous avez vu, j'ai pris 6,5 millions depuis la dernière fois parce que le temps de faire le montage de la vidéo précédente, eh bien, j'ai laissé tourner le Tycoon et j'ai pris bah, 6 millions. Je suis plutôt bien pour aujourd'hui. Donc pour la vidéo, j'aurais pas besoin d'attendre, c'est parfait. Donc ce qu'on va faire en priorité avant d'acheter, vous savez, l'avion à 1 million que j'ai pas pu avoir la dernière fois, nous allons développer toute la piscine que j'avais pas pu faire non plus parce que j'avais vraiment pas de thunes. Et allez hop, on encaisse. Donc j'ai des abonnés qui m'ont rejoint. Apparemment, ils ont réussi à trouver mon île. Depuis tout à l'heure, ils débattent dans le chat pour savoir où est-ce que je suis. Donc c'est parti. Alors c'est pas la piscine directement, il faut d'abord que je prenne le deuxième étage de mon hôtel. On prend des petits escaliers, des lumières, ok, non c'est bon, je sais où c'est, t'inquiète, t'as pas obligé de me montrer où est-ce qu'il faut que j'aille pour acheter mes trucs, t'inquiète. Ok, juste un tout petit canapé comme ça, 9250, on commence à être habitué à payer des trucs de ouf. À un moment dans le Tycoon, on arrive toujours à des moments où il faut aligner, hein. Ça commence à coûter très cher. Donc en fait là, on est au-dessus des chambres d'hôtel qu'il y a ben, juste en dessous du coup. Et on est en train de mettre d'accord d'autres chambres d'hôtel. Ce qui est très bien avec ces chambres d'hôtel, c'est qu'elles me rapportent de la thune, notamment avec ces petits trucs verts comme ça, où ça me donne de l'argent comme ça de manière infinie. Donc ça, c'est cool. Et ok, donc celles-ci sont beaucoup mieux car elles ont un petit balcon. Donc à mon avis, il faut que je développe toutes les chambres là comme ça pour avoir la fameuse piscine qui doit être de ce côté-là normalement, hein, c'est ce qu'il y avait marqué. La chambre luxueuse comme ça. Ok, celle-là, c'est la plus grande. On va la développer à fond. Il y a les balcons, ok, le petit balcon est très sympa. Ah, qu'est-ce que... Putain, mais ça coûte tellement cher, j'ai bien fait... Oula, ça, je vais pas le prendre. Non, 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 ça, je le prends pas, mec. Non, non, je sais que vous me connaissez pour dépenser des Robux, mais là, non, non. On va se calmer sur les Robux, hein. J'en ai plus que 600. Je vais les garder pour une prochaine vidéo. Tranquille, tranquille. N'oubliez pas le petit code Redkill dans la boutique Roblox. Donc, ok, je développe toutes ces chambres et ensuite, on passera à la piscine. Et surtout, on va aller acheter ce fameux avion à 1 million que j'attends depuis la dernière fois. Alors là, comment ça se passe? Est-ce qu'il faudrait pas que j'achète un toit, un plafond, s'il vous plaît? Oui, il est là. Il est là. Hop là, parfait. Des petites lumières, comme à chaque fois. Faut vraiment que je finisse par compléter toutes ces chambres pour avoir accès à la suite. Hein. Je n'ai pas le choix. Allez, go, go, go. Ok, je viens juste de mettre le balcon. Il y a déjà quelqu'un qui est là, posé. C'est déjà sa chambre. Bah écoute, on va lui rajouter un petit room service et une petite corbeille à donation, une petite cagnotte. Alors, est-ce que j'ai fini toutes les chambres là? Je crois que celle-ci, je l'avais finie, c'est bon. Celle-là aussi, parfait. Bah, je les ai toutes finies, normalement c'est bon. Est-ce que je vais pas pouvoir débloquer cette fameuse piscine? Hein, celle-là est bonne. Ah, j'ai peut-être pas fait celle-ci. Si, je l'ai faite. Et celle d'en face? Ok, c'est bon, on se casse. Allez, c'est parti, on sort. Alors, est-ce que la piscine est débloquée? Ouais, il y a un truc là-bas, ça a l'air de coûter zéro. What the fuck? On va aller voir ce que c'est. Pourquoi ça coûte rien? Alors, là, on a toujours rien. Apparemment, il y aura peut-être une mise à jour. Ah, quoique. Ah, c'est là. Pool area. Parfait, enfin, enfin, enfin. Ok, je l'achète maintenant. Putain, il y a un mec qui vient d'arriver en bateau, là. Qu'est-ce qu'il fout? Ok, on a la piscine, mais on n'a pas encore l'eau. Elle n'est pas du tout creusée, par contre. C'est l'eau qui va la creuser automatiquement. Et c'est parti. Ça fait plaisir à mes abonnés. C'est trop bien fait. On peut nager, c'est parfait. On remonte et on se prend des petits palmiers. Waouh, exactement comme je les voulais. Des petites lumières. Oh, des petites loupiottes juste au-dessus. Par contre, il faudrait pas mettre de l'eau dessus. Ça serait dangereux. Des petits transats avec un peu de noix de coco, ça fait plaisir. Ah oui, c'était quoi ça? Ah non, non, ça coûte pas, c'est loin de coûter zéro. Hein. De loin, il y avait un bug, mais pas du tout. Alors, extend floor, ok. Décoration, de quoi venir se reposer ici, se ressourcer. Et apparemment, c'est tout. Hein. J'ai étendu mon truc juste pour ça. On passe maintenant à la suite. Qu'est-ce que c'est? Des petites plantations. Et on en a terminé pour la piscine. Apparemment, c'est très sympa. Il y a un nouvel abonné. Putain, il y a tous les abonnés qui sont en train de me rejoindre. Putain, on est 5. Ça fait plaisir. Il y a 4 abonnés avec moi. Ça, c'est cool. Ok, donc ce côté-là est terminé. Maintenant, on va aller voir là-bas puisque j'ai étendu. On doit pouvoir débloquer quelque chose. Mais surtout, on va aller chercher mon nouvel avion là, à 1 million. Alors, bien sûr, on va pas y aller
à pied. Hop, on peut monter à combien? On peut monter à 4 là. Bon, il y en a un qui pourra pas monter malheureusement. Hein. Non, ça marche pas. Si, ça marche. Vas-y, monte. Monte. Ok, c'est parfait. On est 4. Trop cool. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on peut couper par là. Ça, c'est génial. Enfin, normalement, d'habitude, ça avait marché. Ouais, c'est bon. Ça marche. Let's go. C'est bon, nickel. Ok. Allez, on s'arrête là. Ici, j'avais le tout petit, comme ça. Mais franchement, j'ai du mal à le contrôler. Mais on va se prendre celui à 1 million. Alors, celui à 1 million. J'espère que cette fois-ci, je vais réussir à le contrôler. Allez. Private jet. On le fait respawn. C'est parti. Waouh. Ok. Il est très sympa. Est-ce qu'ils peuvent monter? Non, ils ne peuvent pas monter. Personne ne peut monter? Oh merde. Mais restez au-dessus, hein. Et accrochez-vous, hein. Oh putain, il a l'air beaucoup plus rapide celui-là. Ok, je vais le tester. Oh putain, mais je peux pas tourner pour l'instant. Non, c'est impossible de tourner. Je ne peux pas tourner. Oh là là. Oh là là, je me suis mis dans quelle situation là? Bon, ok, on recommence tout, on recommence. Respawn. Hop, personne me le pique. Ah si, on peut tourner un peu. Wow, 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 wow. Oh, 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 oh. Oh putain, mais c'est incontrôlable ces avions là. J'ai jamais réussi à contrôler un avion sur Roblox. Ok, ça m'a l'air d'être un peu loin. Je vais me suicider moi. Ok, je reprends mon petit caddie de golf. J'espère que j'ai réussi à m'en sortir pour une fois. Ah, on peut rentrer par là. Parfait. Allez, c'est bon. Jet privé, on y retourne. Non mais je vous assure qu'ils sont, il y a un bug. Ils sont incontrôlables, on ne peut pas tourner. C'est difficile, très difficile de tourner. Hop, wow, 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 wow. Et quand, putain mais les marches arrière par contre sont hyper efficaces sur ce Tycoon. Oh putain, wow, 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 wow. C'est un beau décollage en 360, mais ça ne suffira pas malheureusement. Bon, je recommencerai tout à l'heure. Je vais aller développer le reste de mon île parce que c'est le plus important pour l'instant. Ça me saoule un petit peu ces avions. Je vais aller récupérer mes abonnés histoire qu'ils viennent avec moi voir la suite. Alors ils sont où? Allez, c'est parti. Allons voir la suite. Alors comment on y monte là? Comment on monte de ce côté là? What? Mais attends, mais j'ai... Ah non, d'accord. Il faut y aller en sautant. On peut y aller qu'en sautant. Ah, mais c'est là. C'est là, il y a la route. Putain, il y avait une route qui mène à ça. J'avais pas vu. Hop là. Ok, donc c'est ici. On achète une petite route avec sûrement un petit voilà dénivelé afin de monter. Mais putain, mais qu'est-ce qu'ils font avec mon caddie? Ah non, il s'est bloqué dans la route que je viens juste de créer. Oh merde, ben on va y aller à pied les gars. Allez go, on va y aller à tête alors. Putain, j'en ai marre. Mais sortez-moi de là. Bon ok, aujourd'hui j'y arrive pas du tout là. J'arrive pas à décoller en avion, j'arrive pas à acheter des trucs, je sais pas où acheter des trucs, bref c'est un peu la merde. On y retourne, c'est bon, j'ai fait respawn le truc. Alors normalement on peut monter là. Hop, yep. Là, c'est bon. C'est bon, parfait, on est 4. On va voir donc de ce côté-là, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir développer. Je sais pas du tout ce qu'on va pouvoir prendre. Alors, on a une petite route ici. Ok, d'accord, ça fait un petit rond comme ça, avec une fontaine. Je vois pas du tout, mais non, c'est une villa. C'est une villa qu'on va pouvoir faire ici. La Villa Foundation. Alors, attendez, je vais prendre ce qu'il y a ici. Une autre route qui amène sûrement au bout là-bas. Oh, c'est trop cool. C'est trop trop cool. Mais oui, parce qu'on avait l'hôtel, l'aéroport, mais on n'avait pas de villa encore. Mais là, c'est parfait. On va pouvoir se prendre des petits murs comme ça. Des petits murs avec un petit sol, waterfall, une petite fontaine intérieure, des carpettes, les murs. Wow, 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 wow. Elle va péter cette villa. Des murs, d'autres murs encore. Putain, j'ai presque 1 million à encaisser. C'est parfait. Moi, bon, je vais attendre que le jour se lève parce qu'il fait un petit peu sombre. Je trouve ça très dommage. Ça y est, c'est en train de se lever. Au calme, flour. Oh, mais c'est géant. Mais c'est gigantesque ici. En plus, ça va me rapporter de l'argent. Il y a un truc vert. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est? Un petit piano. Oh, on a une petite, un petit truc surélevé comme ça avec un piano et une bibliothèque. Parfait. By Tech, qu'est-ce que c'est? Ok, un petit, une petite avancée ici avec une piscine privée comme ça. Est-ce qu'il y a une vitre là? Ouais, il y a une vitre exactement comme je le voulais. C'est trop stylé. Des petites décorations. Qu'est-ce que c'est? Ok, des transats. Une petite barrière de sécurité. C'est vrai que c'est dangereux ici, même si c'est pas cette petite barrière qui va nous arrêter. Donc, une petite porte ici. Ok. Des décorations, sûrement de quoi se poser. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite télé, non? Une petite télé ici. Fireplace. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est exactement ce que je veux dans la vraie vie, ça. Sitting. La télé, la télé. La télé, elle est là. Et la télé, eh ben... Ça va, elle est plutôt stylée. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc vert qui peut me rapporter de la thune? Une cuisine? D'accord. Ok. Donc, c'est la cuisine chez moi qui va me rapporter de la thune. Très bien. Mais j'ai tout upgrade, là. Te voilà avec... des plaques en or, un four en or, et ben là, t'es en train de produire de fou. Alors, si je me mets là, est-ce que je... Oui, oui, j'ai comme de la nourriture. Une petite table ici, très bien, des walls. Walls, et c'est tout. What? Où est la... Ah, c'est là, c'est là. Ah, ok, il faut le premier étage pour pouvoir avoir la suite. Des petits escaliers, la porte ici. Et j'ai l'impression que les trucs ne se font pas dans l'ordre. La décoration... Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. C'est trop stylé. Je peux en avoir trois en plus.
j'ai des petits trucs de bowling trop stylés et ça s'ouvre tout seul par contre. Oh, wow, les lumières, vous savez, c'est les lumières qui, au bowling, vous mettent tout ce que vous avez en blanc sur vous, ça vous met en ultraviolet comme ça, c'est hyper stylé. Et golden pins, qu'est-ce que c'est les golden pins? Ah ok, d'accord, c'est les quilles qui sont en or, bah pourquoi pas. Alors, strike ou pas? Oh putain, mais je suis pas une boule moi. Ah non, mais elle tombe pas, c'est mal fait, c'est mal fait. Je retire tout ce que j'ai dit sur ce tycoon, c'est mal fait en fait. Je suis déçu. Alors des petites lumières, pourquoi pas pour le cuistot quand même. Il pourra travailler de manière beaucoup plus optimale. Alors là, à mon avis, ma thune, elle doit décoller à une vitesse 300k. Il y a un truc qui s'est débloqué dehors, on va aller voir. Même si j'ai pas fini encore. Edge, qu'est-ce que c'est? Oh, ok, c'est les petits buissons. Les petits buissons sur le côté, très bien, très bien. Très sympa. Et là aussi, bah oui, des petites lumières. Les petits spots de LED comme ça qui rendent trop bien. Allez, c'est parti pour le premier étage avec des petits murs comme ça, un petit tapis, des décorations qui coûtent très très cher, des murs pour continuer, des murs de ce côté-là, des murs, encore des murs, des murs, des murs, des murs, des murs, des murs, des portes, des murs, des murs, des portes, des murs, des portes, des petites chaises pour se poser comme ça, les railings, et là, on est plutôt bien. On a une vue parfaite, franchement. Alors que de l'autre côté, c'est un peu plus le bordel. T'as un hôtel, un aéroport. Bon, par contre, je trouve qu'on est un peu près de l'aéroport. Ça risque de faire du bruit, ça. Bon, c'est pas grave. On va insonoriser toute la maison. Ok. Oh, la chambre, elle est comme ça. D'accord, la chambre comme ça. Money safe. Mais what? Bien évidemment. Un money dropper, mais what? J'ai un coffre-fort chez moi qui produit de la thune. Si ça, c'est pas génial. Franchement, c'est trop stylé. Dans la villa, elle commence à ressembler à un truc de ouf. Donc, les murs suivants. Sitting, railing, ok. On passe par là. Parfait, reaching, railing, sitting. C'est toujours la même chose pour l'instant. En fait, on est en train de mettre des petites chaises tout autour. On a des balcons de partout sur cette villa. Et franchement, je m'en suis pas rendu compte, mais elle est géante en fait. Elle est super bien. Quoi qu'il y a un endroit où il reste de quoi mettre bien des petites chaises. Parfait. Eh, hey, mais d'accord, il y a des abonnés, ils sont tranquillement à ma piscine. Au calme. Alors là, je crois que j'ai terminé pour la villa. On va donc partir sur l'extérieur. Parce qu'il y avait de quoi faire ici, hein. Parce que on a de quoi mettre un petit garage. Peut-être qu'on va avoir un véhicule avec nous. Ouais, des petits murs. Ok. Allez, un véhicule. Un véhicule, s'il vous plaît. Des lumières. Muscle car, mais what? 249, non, je n'achèterai pas aujourd'hui. J'économise mes Robux. La petite d'or, un petit chemin de terre comme ça qui va faire tout le tour. Ah non, qui va jusqu'à un truc derrière, je sais pas trop quoi, où ça va mener. Dans tous les cas, on va y aller avec mon caddie. Et, ok, qu'est-ce qu'il est en train de faire lui là-bas? Allez, c'est bon, mon caddie va partout. Ok, 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 le garage est très sympa. De loin comme ça, c'est sympa. Et on a quoi ici? Dirt Space encore? D'accord, mais où est-ce que ça va mener ici là? Je me demande. Expand. Mais non, on peut encore étendre l'île. Oh là 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 là, c'est pas fini! C'est pas fini! Un petit chemin. Par contre, ça commence à coûter 250 000. Il me reste 1 million. Et eh ben, j'avais pris exactement ce qu'il fallait pour le tycoon. Apparemment, parce que ça sent la fin là. Ça sent clairement la fin. Dirt Space encore? Non. Ok, on a un truc à 1 million. Lighthouse Entrance. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Des petites lumières, ok. C'est pas un phare ou un truc comme ça, ça? Bon, en tout cas, ça y est. Pour la première fois dans cette vidéo, j'ai plus de thunes. Il va falloir que j'aille la récupérer. Alors, j'ai combien? 750k. Ok, c'est pas suffisant. Il me faut 1 million, là. Il me faut 1 million, la banque. Allô? Allô? Eh, let's go, j'ai 1 million. C'est parti. Ça ne gueule plus. Alors, est-ce qu'on peut passer sur le côté, là, comme ça, là? Wow, wow, wow. C'est bon, ça passe, tranquille. Oh, merde. Ah ok, c'est que le chemin à 1 million. Ok, ça débloque un hélipad. D'accord, parfait, je savais pas qu'on pouvait avoir des hélicoptères ici. Bon, bah faut que j'économise 4 millions maintenant, waouh. J'ai pas eu le temps de tourner la suite de la vidéo, donc on se retrouve le lendemain avec 16 millions en plus sur le compte. Et j'ai laissé tourner le tycoon en attendant. Et pour le coup, eh bien on va pouvoir enfin se prendre le lighthouse. Et j'avais raison, c'est bien un phare. Par contre, il est jaune, j'aurais préféré qu'il soit rouge. On va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, on a deux petits trucs à développer ici. Décoration, lighting, comme d'habitude. On va monter, voir ce qu'on peut faire là-haut. Voilà. Ok, non, c'est toujours pareil. Hein. Un peu de lumière. Ah oui, non, mais celle-là, c'est la vraie lumière. Par contre, la petite porte qui amène, eh bien, sur le petit balcon d'observation, c'est parfait. Alors, moi, ce que je voulais absolument, c'est l'hélicoptère. Hop là. Donc, ce dernier se trouve là. Enfin, là, c'est l'hélipad à 1,5 million et l'hélicoptère 3,5 millions. C'est bon, j'ai économisé assez. J'avais 16 millions, c'est parfait. J'ai pu prendre au moins l'hélicoptère et ça, c'est cool. Et de toute façon, je crois que j'en ai terminé. Mais ce qui est bien, c'est que je vais garder mes millions pour... non, non, moi, je vais monter dedans, s'il vous plaît. Peut-être que je vais réussir à le contrôler, contrairement aux avions. Ce qui est bien, c'est que je vais garder ma thune pour les prochaines mises à jour. N'hésitez pas à me dire, putain, j'y arriverai jamais. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. On y va tranquille. Hop, ok, on monte. Ouais, c'est bien ça. Il faut faire E d'abord pour bien monter, pour être sûr de pas se mettre en mode 360 et se casser la gueule. Ok,
Alors, je vais me poser juste là. On va voir si ça... Ouais, ça a développé la suite. Oh, il commence à faire nuit. On peut débloquer maintenant ce côté-là du Tycoon. Mais écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais me garder ça pour une prochaine vidéo. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite de ce Tycoon que je sortirai dès qu'il y aura une prochaine mise à jour. Parce que je sais pas s'il reste beaucoup de ce côté-là. Mais dans tous les cas, on le fera un jour ou l'autre. Donc, je vous dis à la prochaine. Salut à tous, c'était Red Kill. Bye, 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 bye. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.